Annie Cagnon-Morseline, ma famille d'accueil depuis 18 ans. Il faut que ou aiment ces personnes âgées-là ou ces personnes handicapées. Parce que si n'essaie pas de faire semblant d'aimer, ils ne passent pas. C'est vrai, pas menteur, moi, toujours aime les personnes âgées parce que quand ils montaient à l'école, ils passaient chez certaines grand-mères, ils partaient chercher deux petits seaux de l'eau pour eux, parce qu'il fallait monter l'escalier. Et puis après, ils me trouvent quoi à la case vite. Non, moi, toujours aimé les personnes âgées et il n'est pas difficile d'aimer les autres. Il faut comprendre les autres, il faut prendre un temps pour discuter avec les autres. Même quand les accueillis n'est pas bien, ils appellent là où chaque instant, il faut que vous restez calme, il faut que vous les là pour autres, parce qu'on comprend que ce n'est pas toujours facile pour autres, donc il faut de temps en temps, même s'ils n'ont pas trop besoin de vous, mais il faut autres y voir où. Mais à un moment donné, il faut prendre un temps aussi, surtout ça que réalité, pour aller faire un petit peu de l'accompagnement. Vous comprenez comme je veux dire où? Assire un petit peu avec eux, discuter un petit peu avec eux. Même s'ils racontent les mêmes choses tout le temps, n'est pas grave. Il faut que toi, tu gardes le petit autonomie de Zanana le plus longtemps possible. Les plus facilement dire, ma fille mange à où? Comme ça, ils ne savent pas. Mais il vaut mieux si toi, tu peux manger, même si ça lit un petit peu, il vaut mieux laisser à autres. Parce que ce que les autres nanas ont aujourd'hui, demain, ça n'a plus. C'est pas comme un enfant qui, demain, c'est pas le contraire, quoi. S'il me tire ça aujourd'hui, demain, il ne vient plus. On a besoin des gens comme vous pour faire ce travail, pour occuper des personnes âgées. Mais d'accord, mais pourquoi notre travail n'est pas reconnu? Pourquoi nous n'avons pas le droit à la CEDIC, cotise pas la CEDIC pour nous? Si une famille d'accueil, elle est malade, le temps qu'elle ne travaille pas, ben, elle n'a rien du tout. Les mêmes droits que les autres travailleurs et pour l'instant, ben, ne pas reconnus et ça, on ne comprend pas pourquoi.